m'appelle Inès Mohib, je suis promo 2019. J'ai été diplômée cette année en 2021 parce que j'ai fait un double diplôme avec Télécom Paris et je suis actuellement consultante en stratégie chez Publicis Sapient. Je suis arrivée à Télécom, comme je disais, pour la promo 2019, donc je suis arrivée en 2016. J'ai fait ma spécialité en deuxième année en data science et cybersécurité. J'ai ensuite enchaîné par un M1 en double diplôme avec HEC Paris. Et en troisième année à Télécom, j'ai fait aussi data science avec le double diplôme avec l'X en alternance, où j'ai fait 9 mois de conseil en data science. Et puis j'ai finalisé par ma dernière année à HEC où j'ai fait de la finance. Télécom, pour moi, ça a été vraiment le premier endroit où j'ai découvert un peu le monde professionnel, où j'ai découvert beaucoup de techniques, beaucoup de choses sur la transformation du monde aujourd'hui vis-à-vis du numérique. Et ensuite, ça m'a beaucoup apporté du côté humain, en plus du côté technique, parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens assez incroyables qui m'ont beaucoup aidée, que ce soit au niveau administratif, que ce soit mes profs ou que ce soit encore mes camarades. J'ai participé pas mal à la vie associative. J'ai cofondé une association qui s'appelle Comet avec des camarades de classe de la promo d'il y a 2 ans. J'ai énormément appris parce que j'étais à la fois en contact avec l'administration de Télécom pour aider à promouvoir Télécom, à promouvoir la diversité au sein des écoles d'ingénieurs. Ça m'a aussi permis de couvrir les événements associatifs, de découvrir pas mal d'aspects de la vie télécomienne. Mon meilleur souvenir à Télécom, je pense, c'est pendant la campagne BDE. On a fait des choses incroyables de 8h du soir jusqu'à 8h du matin. J'ai énormément aimé la cérémonie, je suis très contente d'être diplômée cette année. Rencontrer de nouvelles personnes, revoir mes professeurs et mes anciens camarades et surtout entendre Monsieur Idri chanter pour notre promo, ça a été un très bon souvenir. Un conseil que je vous donne à vous, nouveaux télécomiens, c'est de vraiment faire ce que vous souhaitez et explorer quand vous êtes à Télécom. N'hésitez pas soit à prendre une année de césure, à expérimenter professionnellement, mais aussi personnellement, parce que c'est ce que vous apporte Télécom, cette façon de découvrir à la fois la vie professionnelle et à la fois votre accomplissement personnel. Voilà.